Salut à toutes et tous, bienvenue dans ce match, bienvenue dans ce stade. C'est un plaisir de vous retrouver au micro. Hervé Matou, j'arrive à mon siège, je suis prêt à voir votre match. C'est une rencontre de Liga Portugal qui nous attend aujourd'hui. On sent déjà pas mal de ferveur dans les tribunes. Vous allez me dire, c'est habituel ici. Moi, je suis sûr qu'on va avoir de bons moments dans cette rencontre. J'ai vraiment hâte que ça commence. Ah, il faudrait que cette équipe soit plus solide défensivement. Hein. C'est la moins bonne défense. Bon, on devrait voir un début aujourd'hui puisqu'on a affaire à la plus mauvaise défense. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. C'est un 4-3-3 assez classique qui a été retenu. C'est une équipe dont on connaît le style, hein, beaucoup de pressing haut. Et coup d'envoi de cette première période à l'instant. Mine de rien, il continue d'avancer. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Marcus Edwards. Allez, il faut centrer. Entrée pour un coéquipier. Et l'ouverture du score. Le premier but dans cette partie qui commence très bien. On voit cette excellente inspiration, ce centre en retrait. Toute la défense prise à revers. Après cette distance, on imagine bien qu'il n'y a pas grand chose à faire. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Très mal donné, hein, ce ballon. André. Oh, oui, magnifique cette passe. Alors, c'est mal exploité. Ah, il est à l'interception. Quaresma. Ouais, bonne intervention. Ce ballon qui est perdu, peut-être un contre. Marcus Edwards. Bonne intervention. Intervention parfaite. Hein. Bonne anticipation. Chercher une ouverture, bien sûr. Ouais, bon ballon. Attention à la frappe. Ouais, bien joué. C'est pas terminé. Attention. Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Oh, il s'est fait passer le défenseur.
Oh, magnifique, le gardien qui s'interpose. Bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. C'est dévié, ce sera donc un corner. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Ouais, bonne séquence là. Bonne séquence. Ils y croient, l'égalisation. Allez, pour qui ce centre? Et le gardien qui claque le ballon au-dessus de la barre. Corner, c'est un ballon d'égalisation. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Passe lobée dans le dos de la défense. Oh, il peut centrer. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. On cherche des solutions là. Ah non, ballon perdu. Lincoln. Peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Attention parce que la contre-attaque se poursuit. Le centre en retrait. Ah, magnifique, splendide, splendide arrêt. Le danger est écarté, ça s'est joué une fraction de seconde. Bien tiré le corner là. Ballon bien négocié par le gardien. André. C'est venu en profondeur. André. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Ah, pas de réussite parce qu'il y a un premier arrêt qui est pas mal, mais ça n'a pas assez suivi défensivement. Et les voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Un ballon intercepté, mal donné et bien défendu. Ça n'étonnera personne de constater que l'équipe visiteuse monopolise le ballon. L'équipe qui donne l'impression de pouvoir marquer encore, comme elle l'a déjà fait aujourd'hui. On ne voit pas comment la victoire pourrait leur échapper. Oh, ça peut être dangereux. Oh, il a passé son adversaire direct. Bon, oh, attention, c'est pas fini. Oh, ça y est, le danger qui s'éloigne. Oh, la défense a eu chaud. André.
Quaresma. Là, c'est son troisième aujourd'hui. La défense ne retient pas les leçons. On va revoir ça pour le plaisir. Avec le centre départ. Après, je crois que tout le monde a été surpris par la finesse de cette volée. À commencer par le gardien. Une première période qui vire à la démonstration. Et 2 minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Bonne passe lobée dans le dos de la défense. Le défenseur qui repousse finalement le danger. Ils ont eu chaud, hein. Là, c'est la mi-temps. Les joueurs qui vont devoir se ressaisir en seconde période, ils sont menés. On a toujours ces gros problèmes défensifs, hein. Quand vous prenez autant de buts, vous ne pouvez pas espérer grand-chose. Début à l'instant de la seconde période. André. Quaresma. Il perd le ballon. Ah non, le ballon est perdu. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Cherche la faille dans la défense adverse. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Attention, il peut centrer là. Ah, mauvais dégagement là, attention. Lincoln. Non, elle est interceptée. Le face-à-face, attention. L'arbitre qui réfléchit, est-ce qu'il va sortir le carton ? La faute, bien sûr, et carton jaune. Ça va être un double changement. Pas de soucis sur cette frappe. C'est pas assez travaillé, pas assez appuyé. Attention, la contre-attaque. Il faut trouver une option disponible. L'équipe qui a attaqué, qui va devoir défendre maintenant, puisque ce ballon est perdu. Poursuit son action personnelle. Quaresma. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Allez, c'est dégagé. Ce sera un corner à venir. Corner qui est joué court. La tentative lointaine.
la puissance y était, mais pas la précision. Allez, après tout, pourquoi pas. Un centre à destination de ses partenaires. Allez, but, allez, un but de retard en moins, c'est toujours ça. Talent ralenti avec le centre hein, à l'origine. Et ensuite, c'est le talent hein, qui fait le reste. C'est quand même son excellent placement. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au terme d'affichage. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Est-ce qu'il va centrer ? Mauvaise relance. André André. Et la voilà la frappe. Oh oui, il y est ! On voit ensemble hein, cette séquence de préparation là, qui va amener le but. Une frappe magnifique à la fin, puissante. Ah, c'est probablement le coup de massue, ils ne pourront pas revenir. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Ballon perdu d'un côté, récupéré de l'autre. Oh, que c'est bien donné ça. Oh oui, la belle intervention du gardien. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. La défense qui n'est pas très en place, hein, me semble-t-il. C'est dévié, ce sera une touche. Essaye de trouver la faille. Et le ballon qui doit heurter la barre avant de finir au fond du filet. Ouais, cette série de passes à l'origine de l'action. Victor qui va au bout de son action malgré un bon retour de la défense. À 2 avance de 2 buts au tableau d'affichage. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Dommage, l'idée était bonne. Ballon bien négocié par le gardien.
Marcus Edwards. Et ce ballon qui est perdu. Je crois qu'on peut dire que l'adversaire était plus fort aujourd'hui. Et ces deux buts de retard sont parfaitement justifiés. Allez, il peut réduire l'écart là peut-être. Oh, la frappe de Mulle. La frappe de Mulas. Mais alors sans cerveau. Sur le banc de touche, on a estimé qu'il fallait changer quelque chose. Lincoln. Ouais, beau tacle dans sa propre surface. Marcus Edwards. Ouais, ballon qui sort, c'est très bien défendu. Marcus Edwards. C'est intercepté. Bonne lecture du jeu du défenseur. C'est terminé. Ça se termine donc par cette défaite à domicile. Ouais, il y a des choses qui ne vont pas dans cette équipe, qu'il va falloir corriger très vite. Sous peine de subir d'autres défaites aussi nettes que celle d'aujourd'hui. André, la parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Quaresma. Quaresma. Là, c'est son troisième.